Salut à toutes et à tous, c'est Steve Freddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu d'objets trouvés en vide-grenier. Donc, alors, on va commencer par le plus vieux. Donc, j'ai trouvé ça en vide-grenier. Donc, ça, c'est quoi? C'est une pochette de DS. Sauf qu'avec, j'ai eu le chargeur de la console. Et comme vous voyez, donc c'est un chargeur Game Boy Advance à la base. Vous dites, c'est quoi cette DS, c'est Freddy, ce que tu nous montres. Et bien en fait, là voilà, c'est la DS Tank fonctionnelle. Voilà. Donc c'est le même système d'exploitation qu'une DS Lite. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu le chargeur. Donc voilà. Donc j'ai le chargeur. Voilà. Donc ensuite, donc ça, je l'avais trouvé vers le milieu ou le début, je sais plus, des vacances d'été, dans un vide-grenier, voilà. Ensuite, donc, nous avons un deuxième objet que j'ai trouvé il y a 2 mois, dans un vide-grenier. Donc celui-là, je l'avais trouvé dans la Drôme ou je sais plus où. Enfin bref. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Enfin voilà, ça je l'ai trouvé dans un vide-grenier à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Voilà. Donc ça m'avait coûté 5 euros, la console 8 euros. Elle est à 10 euros, je l'ai négocié pour 8 euros. Celui-là 4 ou 5 euros, je ne sais plus. Donc ensuite, toujours dans le même vide-grenier, donc j'ai trouvé un disque de Crazy Frog. Voilà, donc là je crois qu'il y a 4 ou 5 pistes dedans. Ouais, il y en a 5, enfin il y en a 4 avec un bonus en vidéo. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, donc, le disque est en très bon état. Pas très bon état, bon il y a 3 petites rayures, ça c'est pas grave. Enfin voilà, pour ce voilà, donc sur le côté, voilà. Donc pour ce vide-grenier, ensuite, alors aujourd'hui, donc le dimanche 16, 16 septembre, voilà. Donc dans le vide-grenier aujourd'hui, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est quoi? C'est Oddworld Adventure pour Game Boy, quoi, pour Game Boy, tout court, même. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé autre chose. Mais là, c'était un peu plus tard. Donc, dans le vide-grenier, je trouvais un lot. Donc, dans le lot, il y avait Dragon Ball GT volume 1, en cassette vidéo. Voilà, donc le volume 1. Ensuite, deuxième chose dans le lot, des cartes Dragon Ball Z, avec le mode d'emploi des cartes. Et avec ce mode d'emploi, en fait, dedans, sans faire exprès, j'ai pris un truc. C'était ça. Donc ça c'est des aimants savane, encore sous blister, trop cool. Voilà. Bon ben voilà. Donc voilà, donc voilà pour le compte rendu de cette vidéo de mon vide-grenier. Allez, salut les gens, à plus.